Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Diamond Painting. Mais cet après-midi, je n'avais envie de rien. Et je me suis dit, tiens, tu as un petit truc à faire en Diamond Painting. Donc, bah, tu vas le faire. Mais plus moyen de me souvenir... je l'ai eu en partenariat, mais plus moyen de me souvenir du site... Et c'est un carnet. J'adore les carnets. J'en ai fait pour ma mère. J'en ai fait je ne sais plus combien. Je les ai. J'en suis jamais... Si, il y en a un où je m'en suis servi. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Parce que c'est un modèle d'un animal que j'aime beaucoup. Broder. Enfin, pas broder. Parce que broder, je n'ai pas brodé. Mais faire un diamond painting. Voilà. J'adore. Et alors, je l'ai choisi parce que il y a l'air d'avoir de super diamond painting, diamant. Il est magnifique. Donc, vous pouvez simplement, vous pourrez le trouver certainement sur pas mal de sites. Et donc, ben, je ne sais pas moi de où ça vient. Voilà. Donc, j'ai tous les petits diamants là. Alors, combien il y en a? Je vais vous dire ça tout de suite. Vous voyez, il n'y en a pas trop. Alors, il y a les diamants très spéciaux. Il y a ceux-là, abricots, là. Les losanges à facettes irisées dans les tons de Parme. Facettes irisées bleues. Et puis après, on est dans les strass. Donc, et des petits AB bleus. J'appelle ça des AB, mais en fait, c'est des petites demi-boules. Et avec des coloris irisés dans les tons de bleu. Voilà. Et j'ai décidé pour faire ce petit truc-là, d'utiliser quelque chose que j'ai acheté chez Action. Et je m'en suis jamais servi, quoi. Jamais. Voilà. Donc, je vais voir un petit peu de quoi il retourne. Alors. Dedans, il y a donc une petite roulette, des embouts et la petite pâte rose. Alors, la petite pâte rose, je vais m'en servir. Il y en a deux, donc je pense qu'une, ça ira. Elle est assortie. Et alors, ici, vous avez donc bah, le stylet. Le stylet. Peut-être qu'il faut mettre une pile dans celui-là. Il doit se... s'éclairer, ouais, c'est ça, il y a une pile et il s'éclaire, voilà, mais je vais pas utiliser ça, j'ai pas envie, ça, alors ça, ça, plus la roulette, je vous avais fait un test, c'est une horreur à faire, voilà, donc on va laisser tomber ces petites choses, et on va utiliser donc ça, alors déjà je vais prendre, si j'y arrive, il est loin, voilà, mon feutre. Et je vais noter, alors, faut que je fasse attention, j'ai ma petite bougie là qui me tient compagnie depuis un moment maintenant. J'aime bien. Et donc, je vais mettre tous ces trucs. Alors, comment c'est classé? Ben, c'est classé, c'est que des chiffres, donc c'est parfait. Donc, je vais marquer les 1, peut-être ça tiendra pas à tout, je sais pas. Alors, ça s'ouvre comment? Parce que j'aime bien que ça soit ouais, dans le bon sens, comme ça. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il n'y a pas de 8. Bon, ben, il n'y a pas de 8. Alors, si j'ai un peu de chance, ça va se barrer, ça va s'enlever là maintenant. Oui, j'ai de la chance. Donc, il y a, après le 7, c'est du A. Ensuite, on a du B. Et bien, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais couper et mettre... Ah, je prends mon gros ciseau de chez Action. Et je vais préparer, donc, avec vous, ce petit truc-là. Donc, on va faire le 1. Ouais, j'ai fait toutes mes vidéos jusqu'à je ne sais où.
mon Dieu, bah voilà, c'est Catherine, ça. Hein. Et je n'ai pas trouvé du tout la vidéo. Est-ce que d'habitude je mets en vignette une photo de ce qu'il va y avoir? Enfin, moi je le vois, je le sais. Allez, zou, hop, on se débrouille, on va. Parce qu'évidemment, il faut bien que je fasse une bêtise. Voilà. Voilà. Hop, allez, descends-toi. Hop. Alors, on va réussir ou pas? Peut-être. Oui, voilà. Donc, le 1, c'est fait. Le ciseau. Donc, le 1, disais-je. Le 2. Voilà. Le 2. Oui, donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de diamond painting. J'en ai un peu marre. J'en ai marre d'étoiles. Là, non, je vais faire un petit carnet, c'est sympa. Mais dès que j'ai terminé toutes les toiles que j'ai en attente, c'est terminé. Je pense que j'arrête le diamond painting. Voilà. Et j'en ai des tonnes sous le lit, dans les boîtes, sous mon bureau, dans les boîtes. J'en ai partout. Je sais que je les ferai pas. Je vais essayer de quand même garder mes partenariats de marque. On s'appelle 3D Art RL. Qu'est-ce que je vais... Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ah, zut. Tant pis. Je vais regarder. J'en ai une de Diamond Art Club que je ne ferai pas, mais je la garde parce que c'est Diamond. Parce que voilà, je la garde. Alors, le 6. Et ensuite, ben, Serge s'est renseigné. Je vais donner au club de la mairie de ma commune. Et beaucoup de points de croix aussi. Je vais donner. Je vais tout évacuer. Tout évacuer. J'en ai marre. Marre d'avoir du stock qui ne sera jamais fait par moi. Voilà. Donc... Donc voilà, donc j'ai demandé à mon mari qu'il m'aide à faire un petit peu du tri. Et puis il n'y aura pas de et si on sait jamais, et si non, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Donc voilà. Voilà où j'en suis avec le diamond painting. Ça ne m'intéresse plus. Je ne vais pas dire que j'ai fait le tour parce que bon... pas une pro, les carrés j'en ai fait, mais comme j'aimais pas j'ai arrêté. J'ai fait des toiles partielles, j'ai fait des objets, j'ai fait des nounours qu'il faut entièrement recouvert, mais le grand nounours, j'ai tout fait, j'ai tout fait ou presque. Et voilà, donc je pense que j'en ai fait le tour. Je prends plus trop de plaisir à faire du diamond painting. Il n'y a que Jana qui aime bien. Jana, elle adore ça. Voilà, donc je remets mes petits trucs là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de ce côté. Je vais mettre ça comme ça. Je vais peut-être me servir des petites barquettes roses. Mais par contre, voilà, c'est le stylet. Alors, le stylet, il y a plein de poussière, tellement j'en fais, vous voyez. Le stylet, ben, il y a tout ça. Tout ce que j'ai fabriqué. Alors, ça, c'est pas fabriqué par moi, ça non plus, ça non plus, ça non plus, là, ça non plus, là, qu'est-ce qui est pas fabriqué par moi, ça et ça, et le reste, c'est tout fabriqué, main, fait main, tiens, il y a des trucs de bracelet pour les lumbens, c'est drôle, c'est bizarre, alors, qui ne sont pas fabriqués par moi, j'ai aussi... Tout cela, vous vous souvenez, dans ma petite boîte, hein, je vais vous faire une présentation de stylet. Et il y en a, ils sont beaux, franchement ils sont trop beaux quoi. Ah ouais, c'est des bijoux, c'est des bijoux. Vous voyez, ça c'est un truc que je ne pourrais jamais jamais donner. Celui-là il tiendrait pas, non il tient pas, il faudrait que je rachète une boîte. Comme ça, elles sont super bien. Voilà, donc ça, ben, je ne les utiliserai pas non plus. Je vais essayer d'en utiliser de moi.
donc de moi. J'ai la boîte donc, hop là, que j'ai customisée. Mais j'ai aussi ça. Voilà. Alors ça, il y en a aussi dedans. Alors noir et blanc, c'est sympa. Mais j'ai pas envie de l'utiliser pour celui-là. J'en ai vu hein, tout à l'heure en regardant. Je pense que je prendrai celui-là. Là, j'ai pas trop envie non plus. C'est où ? Celui du milieu. Voilà, je pense que je vais prendre celui-là. Oh, il est léger en plus. Je vais prendre le vert. Alors j'hésite hein, parce que ceux-là, il est tout collant, c'est bizarre. Donc je mets celui-là déjà de côté. C'est au noir là. Je suis à l'envers. Et là, ah, il y en a un autre vert, mais il est mince. Et moi j'aime bien les gros, donc voilà. Donc là, j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé un. Et ah, pour moi, le choix du stylet est important. Alors, celui-là. Mais ils sont bons ceux-là aussi. Attention, ils sont vachement beaux, quoi. Alors, ça c'était fait par une abonnée. Catherine, elle avait marqué avec un cœur. Il y en a d'autres aussi. Mais j'ai envie de vert. Il y avait ceux que j'ai fait donc pour Halloween, là. Tout cela, c'était Halloween. Et il y en a encore un. Plus le bracelet Halloween. Voilà. Non, ben là, non. J'en trouve pas qui me conviennent. Alors là, j'ai un bel embout de 4. Hein. Ouh. Mais je pense que là, il n'y en aura pas besoin. Voilà, donc je remets tout ça. Hop, hop, et je vais garder. Oh, je l'ai rangé, il est là. Après, il y a celui-là qui est beau aussi. Il est beau celui-là. J'ai envie de vert. Allez, Catherine, ne te dissipe pas. Donc, je vais ranger les boîtes plus tard. Et donc voilà, voilà. Donc, j'ai ça, plus ça. Donc, je vais utiliser l'embout simple. Je vais peut-être mettre un embout pour faire joli au bout. Alors moi, c'est des embouts. Mais on va mettre un embout de 3, par exemple. Voilà. Tac. Ça fait joli. Ah, il ne faut pas que je rentre là. Voilà. Et je vais utiliser, malgré que j'adore mes barquettes blanches, je vais utiliser la petite barquette rose. Voilà. Voilà, voilà. Et, bah, écoutez... On va y aller. Bon, allez, la boîte, elle s'est fermée. J'aime bien la bougie quand même. Alors, je vais commencer par les plus gros parce que moi, je commence par les plus gros. Alors, c'est les B. Donc, les B, c'est au milieu. Ouh là, ça colle bien. Hein. Ah! Alors, les B, c'est au milieu. Donc, les B, je vais remettre là. Voilà. Je ne sais pas si ça va bien tenir. Je vais hop, mettre de la cire et je vais faire donc les baies. Je vais me mettre comme ça pour pas avoir à coller. Bon, ben, vous voyez, déjà, ça tient pas. Ça tient pas. On va retenter. Ça tient. Allez. B. Oh, putain. J'allais dire un gros mot. J'allais dire un gros mot. Oh, c'est beau. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est moi. Oh, pourquoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ces bêtises-là? Alors, j'essaye de ramasser ce qu'il y a sur mon caleçon. J'en ai ramassé deux. Il y en a un qui est tombé, je crois. Bon, on verra bien. Oh non, vous y croyez? Je vous ai dit que j'étais pas en forme. J'avais envie de rien faire cet après-midi. J'avais envie de m'affaler. En même temps, c'est le 1er mai. C'est le 1er mai. C'est pour ça. Ah, oh, mais vous avez vu? C'est la fête du travail. je crois que je vais être obligée de prendre autre chose. C'est la fête du travail, donc, disais-je. Et normalement, on manifeste tout, machin. Mais moi, je suis retraitée. Et puis, j'ai pas envie de manifester. Donc, je reste chez moi, tranquillou.
Et je me suis dit, tiens, tu vas faire ton joli. Parce que j'ai décidé un truc, en fait, c'est que j'allais enfin marquer peut-être des choses importantes. Bon, les partenariats, vous savez que j'en ai plus beaucoup. Parce que j'ai arrêté. Je suis pas une chaîne de une chaîne de partenariat. Mais en même temps, je vois que vous aimez ça. Ouais, c'est vachement bien de regarder déballer des nouveaux. Mais pourquoi ça marche pas? De regarder déballer des nouvelles choses, c'est toujours hyper sympa, quoi. Il y en a un là. Mais bon. Voilà. Et puis, comme je ne suis pas la reine du blabla, eh bien, ma foi, eh bien, vous allez vous ennuyer sur cette vidéo. Ça me fait rigoler, mais bon. Ah là, pourquoi ça? Voilà, ça glisse, c'est moi qui fais glisser. Oh, déjà, c'est joli. Allez, continue Catherine dans la foulée. Mon Dieu, vous n'allez pas m'aimer sur cette vidéo. Vous n'allez pas m'aimer du tout. Oui, je suis complètement à côté de mes pompes. Et puis... Je voulais pas, je peux plus, enfin pour le moment j'ai du mal à faire du diamond, pas du diamond puisque j'en fais là du point de croix, j'ai très mal à ma main ou à mes doigts sur la main droite là, quand je commence à broder ça me fait mal, après quand ça chauffe, quand je suis échauffée un peu ça va mieux, mais c'est pas top. Là, il m'en manque encore là-bas. Hop, alors comme ils sont dans l'autre sens, je vais tourner le petit carnet. Ils sont sympas ces carnets. Quand même, ils sont sympas. Voilà, c'est toujours d'actualité. Parce qu'il y avait des nouveautés aussi dans plein de choses, mais ça va quoi. On a fait un truc, on n'a pas besoin d'en faire 10. J'ai beaucoup de toiles avec des AB que je n'ai pas faites en diamond painting, en partenariat. Voilà, j'ai fait tous les B. Oui, j'ai fait tous les B. Bah écoutez, c'est génial. Voilà. Maintenant, il va falloir faire les A. Voilà. C'est des losanges, donc irisés dans les tons de Parme. Le plus long, bien évidemment, ça va être les tout petits à faire. Mais en fait, moi, je commence par les gros parce que quand je vois, c'est motivant. Si vous commencez par les petits, vous en aurez vite marre. Et c'est pas motivant du tout. Là, vous voyez les gros, les beaux diamants. Vous diamantez parmi ces beaux diamants. Et c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Alors, est-ce que je vais vous faire un petit accéléré? Vous savez, avec la jolie musique que j'aime bien. Beautiful Color. Voilà. Ah, il y a le nez là aussi. Enfin, je suppose que c'est le nez, c'est au-dessus. Voilà. Il y en a là aussi, il y en a 4. 1, 2, 3. Et je vais les garder, ces diamants. Je ne fais plus de stylet non plus, j'en ai des tonnes, hein, vous avez vu. J'en ai des tonnes. C'est tout. C'est tout dans les A. Parce qu'en général, j'en oublie toujours. Maintenant, c'est du 7. Oh, le 7, c'est des beaux losanges bleus. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'avais oublié. Mais voilà, ça, c'est des trucs que j'aime. Mais j'ai quoi à terminer? J'ai le chat en noir et blanc. J'ai... Ah, comment elle s'appelle? Médusa. Médusa que je ne sais même pas où elle est. Je ne sais pas où elle est, franchement, je ne sais pas où elle est. Hein. Elle est rangée, bien gentiment, dans un coin, elle est rangée. Et j'adore cette toile et je ne sais pas pourquoi. Eh ben, je ne suis pas motivée à la faire. Un jour, peut-être, un jour, mon prince viendra. Ben voilà. Mais là, franchement, non. Voilà. Ça ne veut pas venir.
Voilà, moi ce que j'aime, c'est les diamants spéciaux. Et les objets, les petits objets utiles en diamants spéciaux. J'adore ça. J'ai plein de toiles. Vous vous souvenez des carnets de croquis où je les mets tous, ceux qui sont à faire. J'en ai je sais pas combien. Hein. Pourquoi ça sort quand j'appuie? C'est bizarre ce truc. Ah! Alors, est-ce que c'est la cire de chez Action, là, qui va pas? Voilà, là, j'ai fait du 7. Mon Dieu, c'est beau. C'est trop, trop beau. Alors, hop. Hop. Vous voyez, là, des fois, ça va. Hop. Presque. Presque, hop. Ah, c'est quand il se pose et qu'il est collé sur les autres. Alors ça, c'est top de top. Allez, il est tombé par terre. Ma foi, mon robot le ramassera. Sauf si je le vois. Parce que c'est pas évident que je le vois non plus. Mon Dieu, ça va pas être intéressant du tout de me regarder et de m'écouter, moi, je vous le dis. Hein. Oh, comme je suis pas motivée. Est-ce que je vous mettrai une petite musique en fond? En même temps, sur YouTube, il n'y en a pas des musiques douces qui sont très longues. Et après, si vous mettez autre chose, vous êtes confronté à des droits d'auteur. Et en fait, votre vidéo, vous ne pouvez pas la monétiser. Et ça, c'est ballot. Voilà. C'est ballot parce que ce qu'on fait sur les chaînes, c'est du boulot. Je suis désolée. Il y a du... Ah, j'ai oublié du 7. Bah tiens, c'est moi ça aussi. Oh, mon Dieu. Vous n'allez pas aimer m'entendre parler comme ça, les filles. Hein. Les gars. Mais je suis tellement... Alors, c'est vrai que je prends un nouveau médicament pour l'anxiété. C'est le générique du Xanax. Elle m'en a donné. C'est moi qui lui ai demandé parce que j'en avais marre de toujours me triturer les méninges, à réfléchir, à penser à ci, à ci, à ma sein. Et j'en avais marre. Et elle m'en a donné, mais elle m'a dit un demi-comprimé le soir. Alors je lui ai dit pourquoi le soir, parce qu'elle m'a dit que ça en suquait. Et comme j'ai du somnifère aussi, donc j'en prends un demi le soir. Mais là, vraiment, il y a une période, j'étais bien au début, voilà. Mais là, maintenant, je suis... amorphe, j'ai envie de rien faire. Alors, je pense que ça vient de ce médicament. Et donc, je vais faire de l'automédication. Je vais peut-être lui téléphoner, mais bon, on s'en fout. Je vais en prendre un demi-comprimé tous les deux jours, tous les deux soirs. Voilà, donc là, ça temporisera peut-être les effets négatifs. C'est-à-dire que ça vous rend amorphe. Il y a une période... J'arrête pas de bouger, là. Il y a une période où je prenais du, il y a longtemps, un truc pareil, comment ça s'appelait, je sais plus, et j'étais vraiment une limace, voilà, donc j'ai pas envie de devenir une limace. Allez, je vais faire du 3, j'aimerais bien faire le 1, le 1 c'est le AB, vous savez, bleu, le petit là, puis celui-là je pense qu'il se prendra facilement. J'ai failli les... Ben voilà, il y en a qui sont tombés. Je fais rien, rien de bien. Voilà. En plus, j'ai la chaise qui grince. Ça, c'est... Ah, ceux-là, ils se prennent bien. Ouais. Ça, c'est hyper génial. C'est le numéro 3. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est vrai que les diamants spéciaux, c'est super beau. J'en ai une à faire aussi de... 3D Art R et L, je crois, j'arrive jamais à retenir bien. Et il y a des nouveaux diamants, les poussières d'étoiles, je les ai vus une fois, je me souviens même plus comment ils sont. Et ouais, parce que j'ai fait mon burn-out de YouTube, j'en pouvais plus. Une vidéo par jour avec des montages de malades. Parce que c'est facile de faire une vidéo puis de la mettre comme ça en ligne, mais... Quand vous faites des montages, vous mettez des photos, vous mettez des titres, vous mettez des musiques, vous mettez de l'accéléré, vous mettez...
Eh ben, je suis désolée, mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Énormément de temps. Et il arrive un moment où on ne peut plus suivre le rythme. Enfin, moi, j'ai pas pu. Et là, depuis que j'ai repris donc ma chaîne, qui avait été piratée, j'ai toujours pas fait la vidéo. Comment s'en sortir quand on a la chaîne piratée? Il faut que je le fasse, ça. Déjà sur Facebook, j'avais vu une personne. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans un Facebook informatique et il y avait quelqu'un qui posait une question, qu'elle avait sa chaîne piratée et si quelqu'un pouvait l'aider. Donc du coup, je l'ai aidé. Je lui ai tout donné, les conseils et tout. Et elle m'a posé quelques questions. Et puis plus rien. Voilà. Tu peux crever, ma fille. Je t'ai donné des trucs. Autant ta chaîne, elle est récupérée. Tu m'as même pas remercié. Voilà. Je lui ai demandé. J'ai posé des questions. Jamais de réponse. C'est vachement... Ça fait plaisir, quoi. Vous voyez? C'est très, très agréable. Quand on n'a aucun retour sur des choses où tu t'engages bien comme il faut, tu aides la personne et puis tu sais plus ce qui se passe, tu sais plus, voilà. Donc, je suis vraiment négative. Hein. Non, mais je pense que c'est le médicament, là. Ce soir, j'en prends pas. Ce soir, j'en prends pas parce que je sais qu'il y a... Il y a quelques temps, là, quand je commençais juste à le prendre, Serge avait fait la remarque, il m'avait dit « Oh, comme tu es plus calme, tu dis moins de gros mots, tu m'agresses moins. » Et oui, je le sentais, je lui ai dit « Oui, effectivement. » Mais maintenant, c'est que je m'endors, quoi. Là où je vous parle, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Mais pour moi, dormir, c'est une perte de temps. Alors, et en même temps, c'est une perte de temps, mais là, j'ai envie de rien faire. Du tout. Mais du tout, quoi. J'ai plein de choses à faire. Plein. Vous le savez. Hein? Et bien non. Voilà. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je pense aussi que le fait de me donner beaucoup dans la miniature, la Mondio, avec Nanou, ça m'a mis la... En fait, c'est... Quand on fait une miniature, pour celles qui connaissent, on est prise dedans. On est dedans à fond. On ne voit pas le temps passer. Et c'est pour ça qu'on se fatigue sans vraiment le savoir parce que c'est tellement intéressant à faire. Et au bout d'un moment, ben, vous n'en pouvez plus. Moi, j'ai eu besoin d'arrêter un petit peu, de prendre l'air. Sinon, j'en voyais tout balader. Après, quand je l'ai reprise, ben, ça allait mieux. Mais je crois que ça m'a quand même beaucoup fatiguée. Pas physiquement, hein. On est pris par ce qu'on fait. Tellement pris. Regardez le diamond painting, là, je vous parle. Mais si c'était une miniature, c'est pas pareil. Là, j'ai des trois à mettre sur les trois. Ben, je prends mes petits trois. Je les mets, qui sont vachement jolis d'ailleurs. Ils sont très très beaux. Mais il y en a des bleus, il y en a des dorés. C'est bizarre, ils n'ont pas tous la même couleur. Et donc, ben là, j'ai terminé donc avec Nanou la miniature. Alors, il y a du 3 ici. Et donc, ben, je me lâche. Je me relâche. Je souffle. J'ai plus envie. Et puis ça, il y a le temps qui est gris aussi. Le temps, ça y fait. Hein. Ça y fait. Parce que là, il me tarde quand même d'avoir un petit peu de soleil. Pas trop de chaleur, hein, parce que je supporte pas. Un petit peu de soleil et puis d'aller me mettre au transat et de broder tranquillement ou de rien faire. Ou de dormir. Mon Dieu, je crois que je vais pas bien, quoi. Je vais pas bien, mais je pense que c'est le médicament. Ouais, il me semble. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas cela, c'est les 1. Pourquoi tu ouvres les 3? Je me suis tout trompé. Vous voyez, je vous parle, je vous dis qu'on peut faire des choses. Hein. Eh ben non, on peut pas.
On peut pas. Il faut tout que j'enlève. Il faut tout que j'enlève. Parce que j'ai fait les 3 au lieu de faire les 1. Et il faut que j'enlève tous les 1 pour mettre des 3. Ouais, mais en même temps, ceux-là, ils sont beaux. Écoutez, je vais faire les 1. Je vais voir ce que ça donne pour les 3. Je continue à faire mes 3 comme ça. J'espère que j'en aurai assez. Je me suis trompée. Ben, je me suis trompée. Ben, ça, c'est moi. Voilà. Ben, comme quoi, vous voyez, en faisant du diamond painting, eh ben, moi, ça me perturbe. Alors, il y en a un autre là. Voilà. Donc, maintenant, c'est dommage parce que là, les 1, ils vont entourer les mêmes. Oui, mais à ce moment-là, je verrai si je peux changer. Bon, allez, je revide du 1 et je vais faire les 1. Alors, je vais faire les 1. Ça va être long, la vidéo, je pense. Je vais faire les 1. Pourquoi j'ai fait les 3? Pourquoi je me suis trompée? En même temps, si ça peut... Si, parce qu'ils sont très beaux. C'est des petites sphères toutes petites, des demi-petites sphères AB avec des reflets nacrés, irisés, AB, quoi. Aurore boréale. Et c'est très beau. Donc, je vais peut-être les laisser. Ceux que j'ai fait, le chiffre 3 que j'ai fait, que j'ai mis du AB au lieu de mettre du 3. Voilà. Je pense que ça fera joli. Je pense que ça fera joli. Je sais même pas si cette vidéo, je vais la mettre. En fait, j'avais envie d'être tranquille avec une bougie et faire mon petit truc. Mais un truc rapide, parce que vous me connaissez, moi aussi, j'aime bien ce qui est rapide. Je le dis assez souvent. Et ça, c'est des petites choses qui vont quand même plus vite qu'un point de croix. Voilà, ou qu'une grande toile en diamond painting. Parce que même une toile de 30-40 en diamond painting, vous en avez quand même pour 2-3 jours ou 4, suivant le temps que vous passez dessus. Moi, en général, c'est l'après-midi. Voilà. Parce que le matin, en général, je tourne les vidéos et je fais mes montages. Et ça prend énormément de temps. Voilà, ça, je le dirai jamais assez. Donc, je vais continuer tous les 1 et je vous retrouve donc ben après. Voilà, j'ai tout terminé le 1, mais je peux vous dire que j'ai serré les fesses. Tiens, d'ailleurs, je crois que j'en ai oublié un là. Parce que... voilà ce qui me reste, quoi, en fait. Et là, j'espère ne pas découvrir une grande partie de 1. Non, pas du tout. Donc, c'est parfait. Allez, je remets les 1 à leur place. Et je vais faire, ben, je vais faire du vert, parce que j'ai envie de faire du vert. C'est le numéro 4. Voilà. Donc, c'est très, 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 très agréable à faire, bien évidemment. Mais là, maintenant, je ne suis plus dans les diamants spéciaux. Je suis dans les diamants cristaux normaux. Voilà. Donc, je vais faire tous les 4. Jana est derrière moi sur le lit superposé. Et elle supervise mon travail. Oui, oui, oui. Allez, je fais les 4. Je vous retrouve. Thank you.
j'ai terminé. Vous avez vu la partie en accéléré. Donc, je le trouve très, 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 très beau. Je vais vous le montrer de près. Voilà. Alors, j'espère qu'il en manquera pas. Je regarde un petit peu partout. Regardez comme c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Alors, je vais maintenant, je ne vais pas mettre du vernis colle. Je vais mettre mon triple gloss, là. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Il en reste plus beaucoup. Mais comme je fais plus rien, en fait, c'était pour les stylés aussi. Je vais donc en mettre, ça sèche en une heure. Et le vernis colle, il faut attendre longtemps. Et ça m'énerve. Donc, je vais y aller tranquillou. Hop. Ah, j'en ai mis à côté. Regardez. Hop. Et voilà. Je l'ai enlevé. Je ne vais pas déborder là où il y a les yeux. Je vais mettre bien, bien à ras. Voilà, comme ça. On va y aller très doucement. Ah, j'ai vu qu'il manquait un 2. Là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, je vais mettre un 2. Il me manque un 2. Pourtant, j'ai regardé tout à l'heure. Peut-être vous l'avez vu, vous. Peut-être, peut-être. Alors, je vais poser mon pinceau là. Je vais prendre mon stylet. Je vais prendre du 2, là, et je vais le mettre là, voilà. Hop. J'espère que ça ira bien. Voilà, je vais tout en coller, je vous retrouve donc après. Voilà, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Donc, bah, d'ici une heure, je pense que c'est bon. Et je vous retrouve donc tout de suite. Voilà, mais écoutez, c'est sec. Une heure après, le temps de commencer tout le montage. J'ai mis de la musique en fond, je ne sais pas, j'arrive pas à régler le son, mais je l'ai réglé au minimum, je l'ai réglé à 2 ou 3, je crois. Voilà. Eh ben, je verrai ce que je vais faire de ce petit carnet. Voilà. Il est très très beau. Je ne l'offre pas à ma maman parce que ça lui fera son 3e, je crois. Donc... ça va, mais je me le garde parce que je l'aime. Voilà, donc j'ai utilisé ce petit stylet de ma fabrication maison, et donc ben, j'ai testé le petit truc là, mais en fait ça m'a servi de comme un pilulier, vous savez, les petits trucs là, voilà, mais bon, c'est pratique, il n'y a pas de souci, ça coûtait 4 € des bricoles, je sais plus. Donc, tout va très bien. Alors, je vais remettre, par contre, si j'y arrive, à l'intérieur, je fais bouger le... Hop là, restez avec moi. Je vais mettre les petits trucs dedans. Voilà, et voilà. Voilà, mais écoutez, moi, j'ai terminé. Ce joli petit carnet. Alors, je me suis souvenue, hein, entre-temps, j'ai retrouvé la vidéo. C'est Fanzels. Voilà, je vous l'aurais marqué tout le long. Je l'ai mis en début aussi. Et donc, ben, je leur enverrai la vidéo. Et je leur demanderai de regarder le passage de temps à temps où ça va vite avec la musique que j'aime bien. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé donc cette vidéo qui n'est pas très courte, mais bon. Et ben, comme ça, ça... ça m'a permis de refaire un petit peu du diamond painting sur un objet qui est magnifique. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.